trop, je suis plus habituée à faire des vidéos lifestyle comme ça. D'habitude c'est de l'ASMR ou des vlogs avec mes potes, donc c'est plus moins de chill on va dire. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit vous avez vu ma tête, vous avez dit let's go, ou soit vous avez vu le titre et vous avez vu que je vais vous faire ma wishlist de mon anniversaire. Yes, ça va être une wishlist no budget, comme d'habitude je vais être dans l'abus, je vais dire des trucs chers et tout, je n'aurai pas tout, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. L'année dernière j'avais fait la wishlist je crois en mars et l'année d'avant en février. Cette année on essaie d'être raisonnable, je la fais en début avril puisque mon anniversaire, attention prenez votre petit agenda, ce que vous voulez, c'est le 28 avril, voilà voilà, vous avez intérêt à me le sauter en fait. C'est une blague, non par contre tous ceux qui me connaissent vous avez intérêt à me le sauter hein, parce que là sinon... Voilà, bref. Ok, ah vous avez vu mon petit t-shirt là? Il est trop trop beau, on est d'accord. Stranger Things, je pense que c'est l'une de mes séries préférées. D'ailleurs, bah voilà, il y a les vêtements juste à côté. Donc je vais vous faire un mini haul de même pas 30 secondes. J'ai acheté ça, voilà. Un pantalon comme ça. Slim de ouf, donc j'aime pas trop, mais t'inquiète. Pour aller dans la vibes et tout. Un petit jogging Stranger Things comme ça. Alors à l'écran il fait noir, mais il est bleu marine. Il est plutôt pas mal, hein. Enfin c'est un truc basique quoi. Et un pull. Le devant il est comme ça avec 11, je sais pas vous dites comment. Là. Avec une petite capuche et le derrière il est comme ça. On adore. Bref, donc voilà pour le petit haul des familles. On commence la vidéo là. Avant ça n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Désolée, l'intro était très très longue. Je suis désolée. Alors, j'ai trié dans ma tête, entre guillemets, j'ai rien noté et tout. Donc, il y aura beaucoup de coupures, puisque je vais essayer de retrouver à chaque fois les trucs. Donc, j'ai un peu trié par ordre, vous allez voir. Donc déjà, première chose que je n'ai pas eu à Noël, je devais l'avoir, mais je ne l'ai pas eu. Je vais pas faire la sale gosse en mode, ouais, je l'ai pas eu et tout. C'est pas grave, en même temps, ça coûte presque 400 balles. Donc voilà. L'autre jour, je suis allée au magasin pour l'acheter, mais il n'y était plus. Donc, voilà. C'est un panier de basket, pour tous ceux qui savent, je fais du basket et tout. Par contre, il faut savoir, petite anecdote, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est que j'ai grave régressé au basket. Genre je viens de m'en rendre compte il y a pas très longtemps, vu que je joue beaucoup moins qu'avant. Voilà, en plus là, ils ont mis, il y a un tournoi de foot qui a débuté en mars et qui finit en juin. Du coup, on peut pas s'entraîner, donc c'est nice quoi, pendant les récré et tout, c'est grave chiant. Et en plus, je fais de la S, donc tous les mercredis, je fais à peu près 1 an de basket, mais bon, on passe pas trop la balle, comme je suis pas très très forte, donc je peux pas trop m'entraîner. Et quand on passe la balle, soit mon adversaire est à côté, je l'ai pas vu, et il vient me tiquer la balle, ou alors il faut direct que je lance et je loupe mon shoot. Donc là, j'aimerais bien avoir au moins un panier pour savoir shooter. Avant, je savais faire, quand je faisais des séries de 10 à peu près, avant, j'en avais 8 à peu près, et là maintenant, j'en ai 4 ou 5, donc voilà. Pour vous dire que j'ai grave régressé au basket. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va s'y remettre et tout. Avec les cours et tout, j'ai pas trop le temps. Mais bon, donc un petit panier de basket qui coûte à peu près 400 euros. Oui, c'est cher, un panier, croyez pas, c'est 100 balles. Vous avez certes des trucs à 100 balles, mais c'est de la merde. Voilà. Ensuite, on va parler micro et tout. Alors déjà, j'aimerais bien avoir un micro pour chanter. Puisque déjà, je pense que vous le voyez, mes micros là, qui sont sur l'étagère là. C'est des micros, microphones, mais c'est pas forcément pour chanter. Donc j'aimerais bien en avoir un comme ça. Comme vous avez vu, je fais des covers sur ma chaîne. Depuis à peu près un an, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'en fais plus, parce que j'ai la flemme et le son est pas ouf. Donc j'aimerais bien avoir un petit micro. Donc dédicace à Charlotte, elle m'a montré le sien qu'elle a eu à Noël. Il est plutôt pas mal. C'est un Rode. Bon, là je vais vous mettre à l'écran un que j'aimerais bien avoir. C'est pas forcément le même, mais c'est à peu près le même, tu vois. Également, je pourrais m'en servir pour faire des vidéos ASMR, puisque bah, je peux le brancher avec mon adaptateur comme d'hab. Et ça peut aussi me servir pour les vidéos. Donc je pourrais faire des petites vidéos de test et tout, ça peut être pas mal. En micro d'ASMR, hein, j'aimerais bien avoir le Tascam. Je vous mettrai les prix au montage et tout à chaque fois. Alors le Tascam, il est un peu chiant à utiliser, il faut une carte son et tout, c'est un peu chiant. Mais vu que je fais des vidéos, forcément, j'aimerais bien avoir un nouveau micro. Ou alors le 3 Duo. Voilà, 3 Duo, c'est plutôt cool, hein, on va pas se le cacher, il est de très bonne qualité. Ok, ensuite, j'aimerais bien, on va parler un peu de sap, de vêtements, d'accessoires. J'ai pas forcément besoin de vêtements et tout. Là, regarde, j'avais besoin d'un jogging, d'un haut, enfin pas forcément un t-shirt. Ma mère m'en a acheté un là. Donc c'est cool.
J'aimerais bien avoir des chaussures, des Air Jordan. On va pas prendre les Air Jordan 4 et tout. Bon, déjà, je sais que j'aurai pas de chaussures hein, parce que ça coûte cher et j'en ai pas forcément besoin. C'est juste pour changer un peu. Mais j'en aurai à la rentrée, ça c'est sûr. Tous les ans, j'en ai. Mais j'aimerais bien avoir des Air Jordan. Je ne sais pas si c'est des 1 ou 2, je connais pas les marques de chaussures. Enfin, je connais, mais bon. Moi, j'ai des Oswego, un truc comme ça en ce moment. Donc voilà, c'est cool. Elles sont bien, je les mets tous les jours. J'en ai pas 12 000. Donc voilà, je vous mets à l'écran. C'est, j'aimerais bien soit la couleur orange ou soit une couleur plus basique. Voilà. Orange, ma couleur préférée, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà pour les chaussures, je pense que... Ouais, les Air Force One aussi, bon ça fait 2 ans, j'aimerais bien les avoir, mais à chaque fois, soit sont en rupture de stock, mais par contre, ils n'ont pas trop commandé sur les sites et tout, à part Amazon, mais il faut rentabiliser en même temps, on a le Prime et tout, enfin, vaut rentabiliser. Donc voilà. Oui, et aussi, tout ce qui est vêtements et tout, bon là, c'est plus un manteau, c'est une doudoune, la doudoune de North Face. Je sais pas, par contre, la couleur, peut-être ouais, violet ou jaune, je sais pas. Ou peut-être bleu, enfin en fait je sais pas, mais voilà, mais ça par contre je sais que je l'aurai pas parce que ça coûte cher et mes parents ils m'ont dit peut-être à la rentrée parce que j'aurais un peu fini de grandir et tout, je voulais ça à Noël, mes parents m'ont dit on attend la rentrée de septembre, donc normalement j'aurai peut-être ça, on verra, le temps, enfin l'avenir nous le dira, donc voilà. Ensuite, ça c'est pour ma petite culture personnelle, j'aimerais bien avoir des livres, mais des livres genre des basiques, des classiques, des trucs de Victor Hugo, des Les Misérables par exemple, enfin des livres classiques. En fait, je me rends compte que j'ai pas de culture littéraire et par exemple, bah, pour des sujets de réflexion en rédac, faut de la culture. Et comme moi, j'en ai pas, et bah, wesh, la lumière, elle s'est éteint. Ouais, du coup, comme je vous disais, je n'ai pas de culture littéraire, donc pour mes petits sujets de réflexion, je suis dans la merde, donc je prends tout un sujet d'invention. Sauf que là, on va avoir une rédac bientôt avec ma prof de français. Bon, c'est juste sur un livre et tout, donc en soi, bon, j'en ai pas forcément besoin de lire, mais bon, bref. Voilà, j'aimerais bien savoir faire des sujets de réflexion. T'as capté, donc de la lecture, donc ça peut même mettre des pièces de théâtre et tout, enfin voilà pour ça. Également pour les vidéos, je n'ai toujours pas eu, je voulais ça aussi à Noël, je devais le commander, sauf qu'il est passé de 25€ à 45€ le truc. C'est un projecteur lumineux, il a presque doublé son prix, donc je me suis dit on va se calmer. Je suis pas radine ou quoi, hein, mais comme c'est pas moi qui paye, du coup vous devez vous dire bah ça va, du coup c'est pas toi. Mais bon, le bail de base il coûte 25, là il coûte 45 à un moment donné. Hein. Si je l'ai pas à mon anniversaire, en vrai c'est pas grave, mais je pense que je vais l'avoir peut-être cet été ou max mai, je sais pas, en vrai c'est pas pressé, mais j'aimerais bien l'avoir, tu vois. Voilà, voilà. J'aimerais bien avoir des nouvelles ponettes pour mon micro d'ASMR. Ponette, ça peut être une ponette fluffy ou une nouvelle ponette normale parce que le chien m'a même mis la graille, tout simplement. En vrai, ça va, elle est en bon état, mais il y a mieux, quoi. Genre, elle est comme ça et elle est un peu marave, quoi. Genre, voilà, le chien de ma mamie, il est un peu graille. Et sinon, j'en ai une autre comme ça et j'aimerais bien avoir une autre un peu fluffy, enfin... Voilà, c'est des petits détails, c'est des petits trucs qui coûtent pas extrêmement cher, mais au moins, voilà. Ensuite, en termes de produits, entre guillemets, de beauté et tout, tout ce qui est skincare et tout, j'aimerais bien avoir les produits de Millie Bobby Brown, les Florence by Mills, parce que, déjà, le packaging, il est trop beau, et parce que, bah, Stranger Things, tu vois, l'actrice, je l'aime trop. Enfin, non, en vrai, c'est pas forcément ça, mais je sais pas, je trouve trop beau, je vois tout ça sur Pinterest et tout, j'ai vu des vidéos tests et tout, et vraiment, ça a l'air bien. Ou sinon, les produits CeraVe. Enfin, tout ce qui est produit skincare un petit peu, moi j'ai de la chance, j'ai pas trop, enfin en fait j'ai ma peau, j'ai pas de boutons et tout, j'ai vraiment une peau de bébé. En même temps je vous dirai après comment je fais pour pas avoir de boutons quoi, la meuf esthétique et tout, non en vrai non voilà, des petits produits skincare. En termes de make-up, j'aimerais bien peut-être avoir un autre mascara peut-être, et peut-être un petit gloss, enfin je vous mets à l'écran peut-être des trucs, des gloss de, ouais, les gloss comme ça. Là, je pense dans ma tête, Laure qui fait le montage, je sais que tu vois de quoi je parle. Les gloss comme ça, le packaging est trop beau et tout. Donc oui, comment je fais pour pas avoir de boutons? Déjà, je mets pas forcément excessivement de produits, mais quand je me maquille, là je suis pas maquillée. Ou alors si j'ai vite fait des résidus de liner que j'ai fait ce matin. Mais j'ai pris ma douche, le truc, il est waterproof, ou ça se passe comment là? Donc voilà. Ah oui, je mets pas de fond de teint, des fois de la poudre. Mais voilà, si vous bombardez vos pores et tout, les refs, après vous vous plaignez, vous avez des boutons, mais bon, faut pas abuser quoi. Donc, et si vous avez des boutons, bah mettez rien en fait sur votre peau. Petit tuto de l'or, improvisé. Non, en vrai, non, vraiment, premier degré, donc voilà pour ça. Ah oui, j'aimerais bien avoir des bagues, j'en ai. Alors, bon, j'ai pas de bol, là, je vous dis au moment où j'en ai pas. Mais d'habitude, j'en ai. Mais ils commencent à rouiller et tout. Pourtant, je les enlève à chaque fois que je me lave les mains. Mais bref, c'est pas des bagues en or. Et je veux pas des bagues en or d'ailleurs, parce que je vais paumer. Peut-être un autre bandeau. Un bandeau, j'en ai.
bien un bandeau noir, c'est ma mère qui l'a pris d'ailleurs, parce que de base c'est à elle. Mais un bandeau peut-être blanc, je vous mets à l'écran les bandeaux de quoi je parle. J'aime trop, c'est trop beau, donc voilà pour ça. Et également de la papeterie, parce que je suis une grande fan de tout ce qui est papeterie, bullet journal et tout. Bon après j'ai de la chance parce que mon frère il fait une école d'art, et donc il a plein de matériel et tout, des fois qu'il me donne quand il s'est un petit peu usé, ou des fois je vais très clairement me servir, voilà. On va pas se mytho. Désolée, par contre, si cette vidéo dédicace à tout le monde, bref. Je pense que j'ai fait le tour. Je veux pas forcément énormément de trucs, je suis pas dans l'excès. Je crois qu'au début de la vidéo, ouais, je vous ai dit que c'était une wishlist no budget, mais en fait, ça va. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous, c'est bientôt votre anniversaire ou même si c'est dans un an ou même si c'était il y a un mois, à me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir, qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir. Désolé, je ne parle pas français, ouais voilà, je ne sais pas parler. I'm sorry. Bref, salut, là je m'égare trop. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne fête là parce que là je fais cette vidéo vendredi, je la poste dimanche. Donc bonne fête de Pâques, voilà, j'espère que vous allez bien grailler des chocolats. Bref, salut.